Eh bien, bonjour à tous. Donc, on va revenir un peu sur 36 World 3. On va voir un petit peu, un petit. Moi, ce qui m'amuse dans ce jeu, c'est les bugs. Rencontrer les bugs. Donc, on va essayer de continuer. Donc, j'ai repris le scénario hors vidéo pour faire valider. Donc, j'ai réussi à prendre. Vous savez que dans l'autre vidéo, j'avais loupé le. Comme vous expliquez, l'aiguillage que je pouvais pas reculer. J'ai réussi à prendre l'aiguillage, donc il n'y a pas eu de souci. J'ai pris mon aiguillage, j'ai pris mon chemin. Donc ils me disent de dételer les deux derniers wagons, je crois. Donc je dételle les deux derniers wagons et ils me demandent de reculer pour repartir à l'autre bout. Eh ben, j'ai pas utilisé le frein d'urgence, rien du tout. Mais impossible de faire reculer cette fameuse locomotive. J'ai pas réussi. Y a rien à faire. J'ai essayé tout ce que je pouvais faire. Je n'ai pas pu la faire reculer. Donc dans cette vidéo, ce que je vais essayer de faire, je vais reprendre exactement le même scénario. Mais ce que je voudrais essayer de faire, c'est avant de commencer de faire le scénario par lui-même, on va essayer d'avancer avec la loco, essayer de reculer, voir si c'est un bug du jeu. Du jeu, que la loco ne recule pas du tout, ou si c'est moi qui fais une erreur quelque part, et que ça la met en sécurité, et que ça m'empêche de la reculer. Si c'est ça, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve un tuto pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je touche pour arriver à la faire reculer. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de faire ça. Donc là, je vais relancer donc le jeu. Donc on va aller vers les trains, choisir un itinéraire. Donc là on reprend celui-là. Scénario. Donc c'est le scénario qui durait une demi-heure. Et on va essayer. Alors commencer. Et on va voir. On va voir si c'est moi qui ai fait l'erreur ou si ça vient vraiment du jeu par lui-même. Mais de toute façon, le jeu, il a, faut pas se faire d'idées, hein, il a des bugs, hein. Alors là, on fait ça. Alors là, ce que je voudrais faire, c'est le faire avancer. Donc là, on va faire. Toc. Toc. Alors, on va essayer d'avancer, on va voir s'il avance. Là, il avance. Il n'y a pas de souci. Et là, je vais la faire reculer. Donc là, hop, on joue sur l'aiguillage. Et celui-là. Voilà. Hop.
Donc là, en marche avant. Alors je comprends pas parce qu'il y a par moment je n'ai pas les tours qui montent. Alors je sais pas, il y a quelque chose qui doit se déclencher et j'arrive pas à le faire repartir des fois. Je sais pas où ils voient qu'on empile des petits conteneurs dessous et des crocs par-dessus. Je sais pas, ils ont une drôle de logique chez eux. Moi je mettrais le grand dessous et les petits par-dessus, mais non, mais eux ils font le contraire apparemment. Ils ont une drôle de logique quand même, hein, ces gars-là. Regardez, là, le grand dessus, le petit dessous. Ils ont une logique un petit peu hors norme. Ils ont vraiment une logique hors norme. Ça se demandait si sont un peu clairs dans leur tête. Je pense qu'ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Je suis d'accord, on est dans un jeu vidéo, mais c'est quand même une simulation. Je pense qu'ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Bon, enfin bref. Donc là, on ouvre. Enfin, c'est pareil, faire ça 8 fois, non, mais c'est sans déconner. Déverrouiller, alors faut que j'aille de l'autre côté. Alors, un coup, faut aller de l'autre côté pour le faire, pour déverrouiller les 4. Et le wagon d'après, vous devez faire chaque côté ouvrir, fermer. Vous voyez là, je suis obligé de venir là pour que ça valide. Non, reste fermé, toi. Ah! C'est la pratique d'avoir mis la même touche pour ouvrir les portes et fermer les portes. Avoir mis la même touche, c'est vraiment excellent. Franchement, ils ont très très bien travaillé. C'est vrai que... Alors, surtout que leur pointeur, il est tellement bien réglé que des fois, vous chopez pas le truc. Donc, c'est vraiment... Ah oui, le frein. Le frein, il est ici. Alors le frein. Ok. Alors là, on s'occupe. Et bien sûr, il faut que j'aille de l'autre côté. Non mais, franchement, non mais ils sont. Non mais vous savez, le jeu, ils l'ont fait. Il faut se déplacer à pied. On conduit pas beaucoup les locomotives en fin de compte dans ce jeu. Parce que regardez, là, j'étais de ce côté-là pour le frein. Mais non, non, faut que j'aille de l'autre côté faire l'histoire des portes. Comme si je pouvais pas faire d'abord ce côté-là et après aller de l'autre côté. Non, non, non. C'est vrai que c'est plus intéressant de se déplacer à chaque fois. Non, non, mais c'est vrai que. Franchement, je vous dis, je me pose la question s'ils ont de la lumière à tous les étages dans ces mecs-là. Parce que franchement, là, c'est vraiment n'importe quoi. On est d'un côté, autant faire l'autre côté et revenir après ici. Parce qu'après, il faudra aller de là-bas faire les autres freins. C'est d'une logique. Non, mais ils sont super logiques. Je pense que si chez eux, ils font pareil, ils vont à la voiture. Ah, j'ouvre une portière, je rentre chez moi pour ouvrir le coffre après. Hein. Non, non, mais j'ouvre pas le coffre en même temps. Non, 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 mais. Ouais, je pars au boulot, mais je pars avec une chaussure, mais je reviendrai chercher la deuxième chaussure après. Non, mais franchement, sans déconner. Moi, on m'a toujours appris. Un aller-retour, ça fait qu'un tour, hein, mais chez eux, ça doit pas être le même système. Hein. Mais franchement, non, mais. Je sais pas, ils économisent pas leur pas, eux, hein, chez eux. Je comprends pourquoi ils sont fatigués, qu'après ils ont du mal à faire des jeux sans bug. Mais franchement, ils sont complètement...
Je pense qu'ils sont pas clairs quand même dans leur tête. Hein. Parce que là, voilà. Ah bah oui, ah oui. Bonne blague. Si, non, non, c'est du bon côté. Puis le dessin de la chaîne, quand même, ils auraient pu la représenter un peu mieux quand même. Sans déconner. Parce que là, c'est un peu limite quand même. Alors, il y a des trucs, ça va être joli. Regardez la chaîne. Non, franchement, là. Et par contre, on le desserre pas celui-là. On le laisse serrer. Je comprends pas pourquoi on laisse le frein de celui-là serré. Enfin bref. Manœuvrer l'aiguillage. Alors, l'aiguillage. Il est là. Et il faut qu'on aille. Je ne sais où. Bon, enfin bref, j'ai dû faire une connerie, mais c'est pas grave. Alors là, on a quand même ce fameux bug de la locomotive qui nous dit qu'elle est à 70 mètres là-bas. Non, mais ça c'est... Franchement, je trouve que... Franchement, là, ils ont fait fort quand même, parce que des bugs comme ça, si, ils doivent le voir quand même. C'est le début du jeu. C'est le premier, les trois premiers scénarios du jeu, et ils ne sont pas perçus que le truc n'est pas à sa place. Faut pas déconner non plus, là. Faut peut-être qu'ils a. Et ça, ils l'ont pas vu non plus. Ah, mais sans déconner. Yeah, ça le mettait pas ce qu'il fallait faire, le mettre comme ça en fret, le truc. Alors attendez, parce que là, dans quel sens faut que j'aille, moi. Ah oui, mais attendez, oui. Je sais ce qui se passe. On n'est pas dans la bonne locomotive. Par contre, ouais, alors attendez, parce que ça, on va le mettre comme ça, voilà. Hop, hop, hop. Que j'étais pas monté dans la bonne locomotive. Là. Hop.
prête, voilà. Ça, on décongestionne. Ouais, c'est bon. On est pas sur la bonne voie. Pourtant, il me semblait que je l'avais mise.
Ah, je patine. Ah. Donc là, tac. Avant, on avait une touche sur la TS2 et sur le 2 et le 3 et le 1, on avait une touche pour arrêter la cloche. Là, on l'a plus. Ouais, non, mais de toute façon, tout ce qu'il y avait de pratique sur le jeu, ils l'ont enlevé pour mettre de la merde à la place. Donc après, mais faut pas s'étonner que ça fait un jeu de merde. Hein. Parce que ouais, quand on appuyait sur le joystick là pour gauche pour mettre le klaxon en route, on klaxonnait, et après on appuyait sur la croix directionnelle vers le haut et ça arrêtait la cloche. Par contre, je ne vois nulle part quand ça sauvegarde. Hein. Donc, on en revient bien toujours au même problème que je pense qu'on a aussi. C'est que je disais dans la première vidéo, là, quand j'avais fait la première vidéo, la découverte, que je voulais reprendre après, pour faire la vidéo 2, on n'a pas de sauvegarde. Il ne sauvegarde pas le jeu. J'ai pas pensé à regarder dans le disque dur où j'ai installé le jeu, où le jeu l'est installé. S'il y a un emplacement réservé pour la sauvegarde, comme certains les autres jeux, j'ai pas pensé à regarder. Faudrait que je regarde. Je regarderai, je vous dirai ça pour la prochaine vidéo à ce moment-là. Mais je crois que on n'a pas le. Il n'y a pas de sauvegarde. Attendez, parce que là, on va regarder les aiguillages. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est pas bon. Maintenant, il est bon. Celui-là, hop. Celui-là est bon. Celui-là est bon. Celui-là est bon. Celui-là est pas bon. Maintenant, il est bon. Donc, on va venir jusqu'ici déjà. Donc là,
Si je contrôle, celui-là est bon. Celui-là est bon. Celui-là est bon. Celui-là est bon. Il est bon. Ah, il est bon. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Hop, celui-là, il est bon. C'est bon. Celui-là, c'est bon. Donc, là, normalement, on doit aller où il faut, hein. C'est bien décroché, c'est bon. Ah, parce que des fois ça peut se raccrocher, vous savez. Quand on lâche les freins, ça recule un peu. Ça peut se raccrocher. Mais non, non, c'est bon, c'est bien décroché là. Y a pas de souci. Non, le jeu n'a pas que des défauts non plus, hein. Mais voilà, moi je prends un malin plaisir à voir les. Les défauts, ça je les remarque assez facilement. Et les bugs, tout ça, je les remarque assez facilement. Donc voilà. Voilà. Et, là, j'ai vu que Micromania, il l'annonçait à 49,99€. Sorti le 6 octobre en version CD. Ça me ferait mal au cul quand même de mettre 50€ dans un jeu dans cet état-là. Voilà. Là, c'est inadmissible de vendre un jeu 50€ alors qu'il est, il est dans un état pitoyable. Je veux bien que les jeux ils ont certains bugs, qu'il y ait des bugs. Je suis d'accord avec vous, les jeux ils ont tous des bugs. Mais là, ça fait quand même beaucoup de bugs sur un seul jeu. Alors qu'on rencontre exactement les mêmes bugs, exactement les mêmes, sur 36 Wars 2, on rencontre exactement les mêmes. Donc ça veut dire que tout ce qu'on leur a dit depuis 36 Wars 1, 2, ils en ont pas tenu compte. Ils s'en foutent, c'est complètement débile. Et après ils vont venir pleurer, dire ouais on a fait un flop avec notre jeu, personne ne l'a acheté, gna. Alors déjà que il y a un peu plus de nouveau par rapport à ce que c'était. Mais c'est toujours la même chose. Vous prenez le 1, le 2, le 3, on roule, on s'arrête au gare, on repart, on manœuvre, c'est tout ce qu'on fait. Moi j'ai vu jouer des fois à 36 Wars le premier qui sont sortis. J'ai adoré ce jeu. Mais mettre le jeu en route, partir faire ma vaisselle, faire des trucs. Et laisser le train rouler tout seul parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Le laisser pendant une demi-heure rouler tout seul. Parce que c'est en ligne droite. Donc l'intérêt, bah, là c'est bien parce que je fais de la manœuvre. Mais ça serait, il n'y aura pas de manœuvre à faire. On s'endormirait sur le jeu. Là c'est sur le 2. Je crois qu'à un moment j'avais un truc. Fallait gravir une montagne, un truc comme ça. Et dans la côte, on roulait quoi 15 km/h. Et on avait je sais pas combien de kilomètres à faire comme ça. Et même pas 15 km/h. Et ça fait que j'avais pas d'élan, donc je pouvais pas rouler plus vite. Bah j'ai laissé tourner pendant une heure. Pendant cela, j'ai fait autre chose d'un côté. Je regardais la télé, de temps en temps je zappais la chaîne pour remettre sur la console pour voir où j'en étais. Et hop, ça repartait. Je regardais. Non, non, mais c'est ça, c'est que. Alors, vendre un jeu 50€, qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus déjà, ça fait un peu. C'est un peu chiant. Mais le truc, c'est qu'en plus, il est bourré de bugs, le bordel. Ça pop de tous les côtés, c'est complètement hallucinant, ce truc-là. Alors arrêtez-vous à l'emplacement. Il est où l'emplacement?
Il est où l'emplacement? Ah là. D'accord, c'est là. Ah ouais, parce que là, pareil, regardez. Là, il nous dit. Si, si, c'est. Donc, on a la route en bleu, ok. Pourquoi ici on a des routes bleues? À quoi elles servent cela? Non, parce que normalement, on est censé suivre les routes bleues. Donc, si on doit suivre les routes bleues, moi, si je fais pas attention, je vais ici. Hein. Je cherche pas à comprendre. Donc, voilà. C'est des trucs que ça prouve qu'ils ont pas essayé le jeu. Ils peuvent faire des vidéos, ils ont fait des vidéos. Mais par contre, ouais, sur PC. Mais maintenant, la question que je leur pose, avez-vous essayé le jeu sur Xbox? Avez-vous essayé le jeu sur PlayStation? Hein? Non, mais là ça, ils le font pas par contre. C'est même sûr et certain qu'ils l'ont pas essayé. Parce que ils l'auraient essayé, on aurait déjà le coup de la locomotive qui est 3 km plus loin, là, ou 50 mètres plus loin, pour qu'ils disent qu'elle est à tel endroit qu'elle est à un autre endroit. Ils l'auraient vu. Ça, ils l'auraient vu. Il y a beaucoup de choses qu'ils auraient vues. Hein. Donc voilà. Maintenant, voilà, ils veulent vendre le jeu, ils veulent pas se faire chier. C'est vrai que pour faire un jeu, ils travaillent sur PC, je suis d'accord avec vous. Mais s'ils veulent vendre le jeu sur les consoles, bah, qu'il soit opérationnel comme il faut sur les consoles aussi. Alors faut qu'ils fassent les essais sur console. Après, faut qu'ils envoient les jeux. Alors c'est bien d'envoyer les jeux à des youtubeurs, des trucs comme ça. Mais est-ce que les youtubeurs renvoient les problèmes du jeu? Il y en a les trois quarts qui le font pas, ils le font uniquement pour avoir les jeux gratuitement. Donc voilà, après voilà, si c'est uniquement pour faire ça, c'est pas la peine. C'est à qui que j'avais envoyé, moi c'est à TLM Studio pour Tourisbus. J'ai envoyé toutes les vidéos, comme quoi pour les navettes que ça marchait pas, que j'étais passé en dessous de la map. J'avais la dernière vidéo que je crois que j'ai fait, je leur ai envoyé. Je leur ai envoyé par mail, je leur ai dit regardez ce que ça fait. Le mec fait ah bah on était pas au courant de tout ça. Ah bah oui, bah, la preuve c'est. Je dis ce que je lui ai répondu, vous l'avez pas essayé sur console, parce que si vous l'avez essayé sur console, vous l'aurez vu tout ça. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est que. Ils s'en foutent. Du moment qu'ils ont vendu leur jeu. Alors, les plus bêtes, c'est que nous, on achète les jeux, c'est ça qu'il y a, c'est qu'on achète les jeux, sachant qu'ils l'ont pas essayé sur console. Donc, on sur PC, ça marche. Et encore, j'ai eu un commentaire sur 36 War 2 d'un gars qui me suit, qui me disait ouais, nous sur PC, il rame le jeu 36 War 2. Donc ça veut dire que vraiment, les développeurs sont vraiment mauvais. Hein. Parce que pour arriver à faire que le jeu fonctionne pas comme il faut sur PC, c'est vraiment que c'est des bons à rien là. Remarquez quand vous voyez ceux qui. J'ai vu un peu l'équipe. Ouais. Et, hein, ça n'a pas l'air d'être des flèches quand même. Hein. Ça n'a pas l'air d'être des grosses flèches. Hein. Alors, alors, attendez, faut que je recule, oui, c'est ça. Alors, on va reculer. Mais non, faut que je reste là, de toute façon. Faut que je reste là, parce que le truc, c'est que, oui. Ah, je me suis tous.
Si, il a l'air éclairé, mais pas très fort, hein. Donc là, on va prendre l'aiguillage comme il faut, normalement, il va... Donc là, on va aller jusqu'à là-bas. On va voir si ça bug. Si je vais pouvoir re-avancer après. Allez, go. On va taper un peu de sauce. Alors là, est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Ouais, c'est bon. Ah, on a trouvé un nouveau bug. Ah, c'est pas mal ça. C'est quoi ça qu'ils ont voulu nous faire là? Ouais, ouais. Il y a des tâches. Et après, ils vous vendent ça 50 euros. Bah non, elle est exactement la même là. Là on a la même. Ça prouve bien qu'ils n'ont pas essayé le jeu sur les consoles. Ils l'ont essayé sur PC uniquement.
c'est toujours bon. Un jour, je vais programmer un Twitch. Puis je vais leur dire de venir. Et puis là, je vais leur montrer toutes les conneries qu'il y a sur le jeu. Je leur dire, mais ça va pas. Je pense que vous deux demain, ils vont partir en grison. De toute façon, je vais leur envoyer les vidéos là, avec toutes les merdes qu'il y a dessus. Je vais leur envoyer. Il y en a de la loco là. Il y a un paquet de locomotives. En plus, je peux même pas m'éloigner. Ah, mais non, mais. J'aurais voulu aller voir là-bas, ouais. Non, mais j'ai pas le droit, d'accord, ok. Ouais, le Ward, il est centré sur la locomotive, sur le train. Ah, ouais. Le monde est centré sur le train. On n'a pas le droit d'aller plus loin. Ah, ouais. Bah, le monde est petit chez eux, hein. Allez, 440 mètres et on va voir si on arrive à finir ce scénario sans qu'on rencontre un bug, parce que là ça fait quand même 3 fois que j'essaye, 3 fois que je rencontre des bugs. Attendez, si je fais commande, est-ce que locomotive, je veux locomotive, voilà. Alors. Vue, vitesse, frein serré, frein desserré, manipulateur de traction. Au bas zoom, plutôt la caméra, carte maintenir, pause. Se lever du siège. Vitesse supérieure. Ouvrir et fermer les portes. Ouais, donc avec dire sonore, mais on peut pas appuyer sur la croix directionnelle haut, comme sur dans le 2 et le 1, pour arrêter la cloche. Alors rouler avec ce truc là pendant 3 heures, non. Alors s'il faut rentrer à chaque fois, c'est un peu casse-pied. À ce moment-là, ils auraient dû faire qu'au bout de 30 ou 20 secondes, hop, elle se coupe automatiquement. Ça aurait été quand même plus pratique. Mais bon. Comme ils n'ont pas la lumière à tous les étages, les développeurs, on va les excuser. Bon, on va ralentir tout doucement. Tu vas pas t'arrêter. Tu vas pas t'arrêter en première quand même.
Eh, t'as 4 wagons, t'arrives pas à reculer. Il y a 2 locomotives qui poussent les 2 wagons. Même en première, il n'arrive pas à les pousser. Non, mais c'est... Ah, ça doit être des moteurs de 2 chevaux qu'ils ont mis dedans. Hein, des moteurs de 2 chevaux, puis c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à pousser les wagons en première. Les 2 locomotives. Les télés, les véhicules. Alors, attendez, on va mettre le frein parce que je ne voudrais pas qu'il se barre quand même un perpète les oies. Hop. Alors hier, c'est là que je suis resté coincé. Dans le bug que j'ai recommencé, impossible de faire redémarrer la locomotive. On va voir si là elle veut repartir. Donc le dernier wagon était en panne, comme cela. C'est quoi, c'est des radars automatiques? Ah ouais. Même les trains ont droit à leur radar automatique. Ah, je veux monter. Ah vache. Eh, vous allez pas me dire que je peux pas remonter dans le train? Ah ouais. Donc là, faut qu'on retourne. Ici. Alors attendez, parce que là, faut que je fasse gaffe, parce que normalement. Là, l'aiguillage est bon, celui-là est bon. Normalement, je suis bon alors. Hein. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Oh, l'effet de... Des ombres. Je sais pas, ça doit être un train géant que j'ai. Ils sont 36 fois plus grands que le train. Non, mais ça... C'est horrible. C'est horrible, ces ombres-là. Je veux bien que, quand des fois, le soleil fasse qu'on soit plus grand ou plus petit. Quand on regarde souvent les heures de la journée, mais là c'est abusé. C'est abusé.
Mais il y a un paquet de locomotives quand même là. Allez, je vais essayer de monter en hauteur parce que. Ouais. Alors, il y en a de la locomotive. Hein. Ah vache. Moi, ce qui m'amuserait un jour, c'est un truc libre. Accrocher toutes les locomotives les unes derrière les autres. Et faire un train avec tous les wagons que je trouverais sur la map. Et partir avec. Ah, ça serait le coup à faire. Accrocher tous les wagons et toutes les locomotives. Et accrocher tous les wagons qu'on trouve sur la gare de triage ou sur la map. Tous les accrocher. Le train, 15 km de long. Vous sortez de la map, vous rentrez l'arrière du train rentre juste. Ça pourrait être marrant à faire. Et y réfléchir. Parce que là, il y en a un paquet de wagons aussi. Je pense qu'en accrochant toutes les locomotives, ça doit faire de la longueur quand même. Mais ça doit demander du temps à faire. Alors, le problème, c'est que ça demande du temps, mais comme le jeu ne sauvegarde pas ce que vous faites, eh ben, à chaque fois, vous recommencez à zéro. Donc, faut jouer jour et nuit sans dormir pendant 15 jours hein, pour arriver à tout atteler. Ah là là. Parce qu'il y en a un paquet de wagons aussi là. T'es pas obligé de rouler si vite, toi, en fait. Tu freines? J'ai pas l'impression qu'il veut freiner, hein. Tu veux pas freiner? Attends, on va t'aider à freiner, bouge pas. Je vais t'aider à freiner, moi, tu vas voir. Ah, tu vois que tu freines. Tu vois, je te fais freiner, moi. Non, mais oh. Ah, est-ce que c'est mes phares qui éclairent comme ça ou c'est quoi qui éclaire comme ça là? Ouais, c'est mes phares. C'est pas des phares, c'est des spots de terrain de foot qu'il y a dessus. Parce qu'en plein jour ça éclaire comme ça, c'est. Même avec ma voiture, là, j'ai beau avoir des ampoules de 100 watts, ça fait pas ça. Hein. Ça éclaire pas comme ça. Hein. C'est des halogènes qu'ils ont.
Ça pousse là. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Les wagons poussent. Je sais pas si je vais arriver à m'arrêter pile poil dessus. Ça va vite, hein. Ça va vite à monter. Est-ce qu'on va arriver à s'arrêter? Normalement, ça devrait être bon, si je vais pas plus vite que ça, mais c'est un peu longué là. Ah, je suis pas dessus. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Attelez la formation de 60 véhicules. Alors, ils sont où ceux-là? Ils sont là, d'accord, ok. Alors. Nous, on est là. 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 Là, ça c'est bon, ça c'est bon. Là, c'est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Il y a un truc qui est bizarre parce que... On est là. Hein. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais, on est arrivé, voilà. Ah, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un truc qui allait pas. On est arrivé comme ça. Là. Parce que je me disais, le truc que je comprenais pas, je me dis, mais par où je suis passé, moi? S'il y avait les wagons, je pouvais pas passer. S'il y avait les wagons. Et là, d'accord, ok. Donc. Allez, on va atteler ça. Sans déconner, ça fait dégueulasse ces trucs-là. Là. C'est dégueulasse ce truc-là. N'importe quoi. C'est crado.
Ah, hier aussi, là, quand je faisais cette mission-là, quand je suis arrivé avant de rentrer dans la gare, j'ai vu un bonhomme qui pivotait de droite à gauche, c'est tout ce qu'il faisait. Puis, ah. Alors, je sais pas ce qu'il regardait, mais il regardait quelque chose, mais. Mais il n'y a pas beaucoup de vie quand même dans le jeu. Quand vous regardez, c'est. Je pense qu'il y a une pandémie. Et je suis le seul survivant. Avec le bonhomme que j'ai vu hier là-bas au hangar. Je crois qu'on est les deux seuls survivants. Le problème, c'est que c'est un homme. Et puis moi, je suis un homme. Donc pour se reproduire, on pourra pas repeupler la Terre. C'est mort. C'est foutu ça. Donc voilà, il y a une femme, un homme, une femme, on peut repeupler la Terre, mais là, on pourra pas repeupler le jeu, là c'est fini, hein, c'est mort. Le jeu, il sera désert. Allez, on va essayer d'atteler ça tout doucement. Donc là, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va avoir fini ça, on arrêtera la vidéo là. Et je pense que, je sais pas si ça s'arrête là, si ça va plus loin, j'en sais rien. Parce qu'ils disent une demi-heure pour le faire, et on est déjà à 1 heure. Je sais pas, ils ont pas les mêmes montres que nous aussi. Hein. Je pense que il y a beaucoup de choses qui vont pas chez eux. Peut-être freine. Les télés 63 wagons. Bon, ah, ok. Alors attends, on va faire un truc. Comme ça, je t'oublierai pas. Et on détaille les 63 wagons. La première fois que je vais avoir été si loin dans ce scénario. Faut qu'on se déplace jusqu'à là-bas maintenant.
maintenant faut que je retourne là-bas. Alors attendez. Là. Et on va rouler un peu plus vite parce que là c'est un peu loin. Ah mais peut-être pas dans le rouge quand même parce que... Combien 1,9 km. J'ai le temps d'aller chercher un café. Hop, on va aller dans la cuisine chercher le café. Comme je vous dis, hein, vous voyez, on a le temps de faire autre chose hein, pendant que le jeu il tourne. Hop, on va aller voir quand même devant la télé. On revient. Il y a 1,7 km, c'est bon. Vous voyez, à 15 km/h, j'ai le temps de faire autre chose. Hein. Alors quand vous avez des kilomètres et des kilomètres à faire comme ça, vous avez largement le temps de faire autre chose. Bon, tu te dépêches à chauffer, toi, la cafetière, là. Vous voyez, je vous mens pas, j'ai la cafetière, elle est en route. C'est sensationnel ce jeu. Vous avez le temps de faire autre chose à côté. Hop.
Voilà, donc on est revenu devant la télé, hein, bien sûr. Il joue. Ah, on va, faut peut-être freiner un petit peu quand même. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Pas le frein d'urgence. Ah, il manque le frein d'urgence. Il va me bloquer tout. Pas bloqué apparemment. Ah mince, bah oui, mais j'ai pas remis le. J'avance vers le bon sens. Ouais, c'est bon. Alors j'hésite toujours là pour prendre le DLC du TGV, je sais pas. Vu les critiques, beaucoup disent qu'il est trop court, que c'est dommage. Ouais. Parce que le TGV s'arrêtait bien, s'arrêtait des lignes françaises, un petit peu, une ligne française s'arrêtait bien. On arrête de travailler chez 5 feignants sur 9, hein. Sur SNCF ça veut dire ça, 5 feignants sur 9. Donc ça aurait pu être sympa. Ouais, parce que. Pourquoi je dis ça à 5 feignants sur 9? Parce que quand vous regardez le signe de la SNCF, c'est le C de la SNCF, c'est 5 feignants sur 9. Et vous regardez, ça fait SNCF. Si vous prenez que les syllabes. Donc c'est 5 feignants sur 9 à la SNCF. Allez, 700 mètres et on y est arrivé. Mais est-ce qu'on est arrivé au bout du scénario? Parce que je pense qu'il va vouloir que j'aille m'atteler ailleurs. Hein. Ouais, je pense qu'il va vouloir que j'aille m'atteler ailleurs. Hein. Il va falloir que je revienne par là sûrement. Puis, ou en voie de garage quelque part. Hein. On est quand même à 1h20 de vidéo pour une mission qui doit durer une demi-heure. Mais vu qu'on peut pas rouler vite, on peut pas faire une demi-heure.
Je sais pas comment ils ont calculé leur temps, mais je sais pas. Une demi-heure de prise en main, peut-être, c'est ça? Mais 1h20 de mission. Déjà dans les autres 36 soirs, on avait le même problème. Ils disaient des horaires, c'était impossible de les avoir. Quand vous prenez les passagers, le temps qui monte et tout ça, vous n'avez pas de marge d'erreur. Quand vous faites l'étude de passagers, on n'avait pas de marge d'erreur. Et je pense que c'est encore le même problème. Des fois, on arrivait, c'était le moment de partir. On arrivait dans la gare au moment quand on aurait dû repartir et charger les passagers. Donc le temps d'ouvrir les portes, faire descendre les passagers, faire remonter les passagers, on partait facilement avec 2-3 minutes de retard. Et plus on faisait de gare, plus on avait du retard. Et on arrivait avec 10-15 minutes de retard. Après, si on avait des longues distances entre deux gares, on pouvait essayer de rattraper en accélérant un peu plus fort entre les gares, mais c'était pas évident. Parce que le temps de lancer le train et tout, c'était pas évident. Allez. Mais là, vous voyez, ils ont mis des routes. Ils auraient pu mettre des véhicules, je sais pas, des véhicules de maintenance, je sais pas, mais là il y a un véhicule de maintenance, on en a un sur tout ce qu'on a regardé. Là, regardez, c'est tellement vide que ça se demandait si. Ah non, il y en a un deuxième. Oh là, voilà, j'ai dit une bêtise, il y en a un deuxième. Deux véhicules, trois véhicules, allez, trois véhicules. Mais voilà, c'est mort, c'est. Je sais pas, ils auraient pu entasser des trucs, des poutres, des. Oh là, qu'est-ce que je fais là, moi? Je fais le con là. Voilà, ils auraient pu faire en sorte qu'on ait des un peu d'animation autour, mais non, c'est trop compliqué pour eux. Voilà, ça y est. Normalement, là, on n'est pas trop mal parti. Normalement, si tout va bien, on arrive à finir le scénario. Hein. Je dis bien si tout va bien.
Mince. Maximètre. On va taper les... Je pense que le scénario est fini là, ça y est. Temps passé, ben ouais, 1h24 pour non, moi ça devait durer 30 minutes. Ouais, c'est pas. Ouais, mais bon. Vu les problèmes que j'ai eu hier sur ce jeu, donc. Non, non, on va pas faire le truc suivant. Menu principal. Ah, par contre, si je fais menu principal, est-ce qu'il a sauvegardé? Maintenant qu'il est validé complètement. C'est le truc que je voudrais voir. Hop, scénario. Ouais, il me le met en catégorie bleue. Donc j'ai pas l'or. Mais bon, j'ai l'argent, donc voilà, on va se contenter de ça. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, peut-être qu'on essayera autre chose, peut-être. Peut-être un truc de passager ou je sais pas, on verra. Parce que bon, après des trains, parce que j'en ai sur le train 6 soir 2, donc je sais qu'ils vont être importés par la suite sur celui-là. Parce que j'ai importé mon profil, donc je pense qu'ils vont arriver par la suite. J'essayerai bien celle-là après. Bon, on a essayé ça. Ou alors on fera. Ou alors on fera. Attendez, c'était où? Ici. Hop. Scénario. Ou on fera celui de 1h05 là. Comment on est... Ça c'est du ciment. On verra, on fera peut-être celui de 1h05 avec les flammes qu'on n'a pas fini. Et on fera peut-être celui-là. Mais alors, par contre, ça demandera, ça va être long. Ça va être encore très long. Et on verra, je sais pas encore. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça se trouve dans l'après-midi, j'en retournerai une dessus. Donc je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao!